bienvenue sur ma chaîne. Quand vous allez voir cette vidéo, nous serons passés en 2016. Donc je vous souhaite une très très bonne année à tous. Excellente année à tous. Que cette année soit remplie de joie et de bonheur, que vos projets se concrétisent, que vous soyez entourés par les gens que vous aimez, que vous soyez heureux. Je vous souhaite vraiment que du bon et l'essentiel qu'on peut avoir dans une vie, qui est le bonheur et être heureux. Moi en tout cas, je suis vraiment heureuse que vous soyez toujours là, que vous soyez toujours aussi nombreux sur ma chaîne. Je tiens vraiment et sincèrement à vous remercier d'être présent, à suivre toutes mes vidéos, tous mes articles, mes recettes, mes tutos. Voilà, ça me fait vraiment plaisir et je tiens à vous remercier énormément. Je pense que je vous remercierai jamais assez parce que je pense que vous n'êtes pas conscient de tout ce que vous m'apportez. Donc voilà, un grand, grand, grand merci à toutes et je ne vous souhaite que du bonheur et que d'être heureux dans votre vie. Moi je vous retrouve pour une vidéo favori 2015. Je vais vous présenter ça sous forme de questions, donc de tags, et je taguerai à la fin quelques copines. Donc on va tout de suite commencer. J'ai nommé ce tag mes favoris 2015 100% naturel. Alors j'ai préparé les petites questions sur mon téléphone, donc on va commencer. Quelle crème pour le visage utilises-tu au quotidien? Donc je vais vous présenter deux crèmes, donc une pour l'été qui est la crème de chez Antipode, qui est vraiment très bien pour l'été. Et en hiver, je bascule sur une crème de chez Dr. Ushka à la rose, qui est vraiment géniale. Bon, en même temps, l'hiver n'est pas trop arrivé encore, mais voilà, elle est très bien parce qu'elle est un peu plus riche que celle de chez Antipode. Ensuite, le démaquillant le plus efficace selon toi? Bien sûr, j'ai nommé l'huile de jojoba, le meilleur démaquillant au monde selon moi. Cette huile démaquille vraiment tout sur le visage, que ce soit des produits waterproof ou pas. En plus, c'est l'huile qui se rapproche le plus du sébum naturel. Donc voilà, elle régule le sébum pour les peaux trop grasses et elle apporte du sébum pour les peaux trop sèches. Pour une journée soin, cite-moi 5 produits incontournables selon toi. Donc mes 5 produits soins favoris de cette année, j'ai nommé le Rasoul. Le Rasoul, c'est une poudre qui va nettoyer la peau tout en douceur mais en profondeur. Donc c'est ma poudre préférée, j'utilise sous forme de masque, elle est vraiment géniale. Deuxième produit, l'hydrolat de menthe poivrée, bien sûr que j'utilise en tonique, que j'utilise aussi dans mes masques pour le visage. Voilà, c'est une eau géniale. Ensuite, mon huile essentielle de menthe poivrée qui est géniale, qui fait pousser les cheveux, qui sent très bon, que j'utilise aussi dans mon dentifrice. Donc voilà, mon huile essentielle préférée de 2015. L'huile végétale que j'adore utiliser, l'huile de Nigel, autant pour la peau que pour les cheveux. Elle est vraiment géniale, je vous en ai déjà parlé. Voilà, mon huile végétale favorite. Sans oublier ma seconde huile favorite que j'aime beaucoup, l'huile végétale de coco, bien sûr. Alors j'utilise en baume à lèvres, j'utilise dans ma chantilly de karité, j'utilise pour les cheveux, je l'utilise en cuisine également. Donc je récapitule, du rasoul, de l'hydrolat de menthe poivrée, l'huile essentielle de menthe poivrée, l'huile de Nigel et l'huile de coco. Quatrième question, le shampoing et après-shampoing qui ont révolutionné ta chevelure? Bon, je pense que vous connaissez déjà la réponse. Donc pour mon shampoing, c'est le shampoing solide à base de poudre de shikakai et d'huile de brocoli et d'huile essentielle aussi de menthe poivrée. Donc le shampoing que je recommande à tout le monde, je vous en avais d'ailleurs fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Et en ce qui concerne l'après-shampoing, malheureusement, j'en ai aucun à vous présenter pour cette année 2015. C'est vrai que j'ai pas encore trouvé l'après-shampoing de dingue qui me correspond. Donc voilà, j'en ai pas à vous présenter. Par contre, j'en ai vu un sur le compte Instagram de Oh My Skin de la marque Tumos, que je connaissais pas d'ailleurs, et je pense que je vais le tester et je vous en dirai donc des nouvelles. Cinquième question, quand tu veux avoir la peau toute douce, qu'utilises-tu? Donc tout d'abord, pour avoir la peau toute douce, je vais commencer par un gommage. Donc je vais soit faire un gommage maison, donc à base d'huile d'olive, de bicarbonate, de sucre et d'huile essentielle. Voilà, je fais quelque chose, je fais une petite tambouille très rapidement. Ou alors je vais utiliser le Coco Glow de chez Hello Body. Et ça, quand je l'ai découvert, waouh! Alors on a du café, de l'huile de coco, de l'huile d'avocat, de l'huile d'amande douce.
et du sucre de canne. Ce gommage est bio et il est vraiment génial. Alors une fois que je me suis débarrassée de mes peaux mortes sur la peau, je vais donc la nourrir et l'hydrater avec un beurre de karité. Donc c'est une crème chantilly à base de beurre de... Bon, elle se mange pas, hein, qu'on soit d'accord. Donc c'est du beurre de karité, du beurre de babassu... une huile végétale, je sais plus ce que j'ai mis dedans, mais j'avais fait la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir. Mais voilà, c'est vraiment une tuerie, je l'utilise pour tout le corps, les pieds, les mains, et ça nourrit si bien la peau, je peux que vous le recommander. Quand tu n'as pas envie de sentir l'odeur naturelle de la transpiration. Alors quand c'est le cas, donc je parle ici du déodorant. Donc j'utilise le déodorant de chez Aluna, je vous l'avais déjà présenté également. Donc il est super efficace, voilà, il maintient très bien la transpiration, il est génial. Voilà. Septième question, le maquillage que tu utilises pour être au max et pécho. Alors là c'est très important. Ma crème teintée de chez Lili Lolo qui est bientôt terminée, qui unifie le teint tout en ayant en fait un effet naturel sur la peau, ce que je recherche. Ensuite, l'anti-cerne de chez Beau Cosmétiques que j'ai terminé malheureusement et il est vraiment génial. Je pense que je vais le racheter d'ailleurs parce qu'il était vraiment très très bien. Pour les lèvres, je vais commencer par me nourrir les lèvres avec un baume à lèvres. Celui-ci, je l'avais fait moi-même, il est vraiment top. Et ensuite, je vais utiliser une ou des couleurs de chez Avril, donc des crayons comme ça à lèvres qui sont vraiment super jolis. Ils tiennent bien sur les lèvres, quand ils s'en vont naturellement et surtout ils s'en vont en fait d'une façon uniforme. Et mon coup de cœur de l'année en termes de maquillage, c'est quand même la palette de chez Beau Cosmétiques. Je crois que je vous en ai parlé des dizaines et des dizaines de fois, mais elle est vraiment bien, les couleurs sont super belles, ça tient bien sur la paupière, elle n'est pas poudreuse. Donc voilà, c'est ma palette vraiment favorite. Donc voilà les petits secrets que j'utilise pour pécho. On continue, donc ton produit favori pour nettoyer ta maison naturellement. Alors le produit que j'utilise quotidiennement, tout le temps, c'est le vinaigre. Alors là, je l'ai mis dans un contenant d'un produit, donc nettoyant vitre de chez You. Donc d'ailleurs, je vous les recommande, ces produits sont vraiment géniaux, c'est naturel. Et puis voilà, ils sont pratiques, ils nettoient très bien. Mais j'ai remplacé ça par du vinaigre. Seulement du vinaigre. Parfois, je mets de l'huile essentielle de citron ou de pamplemousse. Voilà, une odeur assez acidulée. Et le vinaigre nettoie tellement bien toutes les surfaces de la maison. Les vitres, le miroir. Voilà, c'est vraiment une pure tuerie. Et c'est le produit que j'ai tout le temps dans mes produits ménagers. Le vinaigre, tout simplement. C'est économe et écologique. Donc voilà, je peux que vous pousser à l'essayer pour celles qui n'ont pas encore essayé justement le vinaigre blanc. Juste pour le miroir quoi. C'est une pure tuerie parce qu'il suffit de le passer avec un chiffon et basta, ça ne fait aucune trace et la vitre est très très propre. Donc voilà, je peux que vous le recommander. Alors le thé ou la tisane qui t'accompagne tous les jours ou la boisson qui t'accompagne tous les jours. Personnellement, c'est beaucoup thé et tisane. Alors là, accrochez-vous. Est-ce que vous êtes prête? Voilà tout ce que je bois tous les jours. Non, je plaisante, mais la marque Pukka a été un coup de cœur pour cette année 2015. Donc c'est la marque de tisane que je préfère le plus. Les goûts sont très prononcés. Bon, c'est naturel et bio. Et voilà, j'adore les goûts, j'adore les mélanges qu'ils font et surtout j'adore le packaging quoi. Les boîtes sont tellement, mais tellement belles. Donc à chaque fois que je vais faire mes courses, j'en trouve une nouvelle, je la sens. Voilà, et je me dis, oh, mais elle sent trop bon, il faut absolument que je la goûte. Donc voilà, j'en ai pas mal. J'en ai beaucoup, donc là j'ai thé vert matcha suprême. Ça c'est pour le matin, c'est génial. Citron, gingembre, miel de Manuka. Ça, c'est le thé que m'avait offert Peau Neuve. Ensuite, le thé Relax. Le thé Amour. Le thé qui purifie. Les trois menthes. Aux fleurs de sureau. Enfin, voilà, il y en a des tonnes et des tonnes. Et à chaque fois que j'en vois une, j'ai envie de la tester. Mais j'ai une favorite, bien sûr, que je rachète tout le temps. Donc, c'est la tisane Relax. Donc, qui est apaisante, réconfortante. À la camomille, fenouil et racine de guimauve. Elle est super bonne. Elle sent tellement bon.
Je l'adore, c'est ma favorite. Voilà, donc si vous ne savez pas vers quelle marque vous dirigez pour vos thés ou tisanes, et bah Pouka. Ensuite, le bouquin de l'année que tu pourrais offrir à une ou un ami. Donc le livre de l'année 2015 qui m'a le plus plu et que j'ai vraiment adoré, c'est le livre de la Slow Cosmétique. Donc c'est le guide visuel. Donc c'est un livre vraiment génial que je pourrais offrir à une de mes amies sans hésiter, puisque c'est un livre qui peut intéresser les débutantes comme les personnes assez avancées dans le naturel. Le livre est très complet, il est juste génial quoi, il nous donne une tonne d'informations. Ce livre est très complet. Donc voilà, ça a été mon livre favori de l'année 2015. Slow Cosmétique, merci. Et pour finir, une petite question qui fâche. Le produit non naturel que tu ne quitteras jamais. Oui, parce que on parle de naturel, mais je pense qu'on met du temps à devenir 100% naturel. Et personnellement, j'aime pas les extrêmes. Il y a forcément des produits à laquelle on est attaché, des produits qu'on aime, qu'on ne veut pas remplacer par d'autres. Et moi, personnellement, c'est le mascara. Attention. Le mascara de chez Benefit, le Daryl, qui est juste magnifique. Il fait des cils de dingue, il les étoffe, il les allonge. Donc je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, c'est vraiment mon mascara chouchou. Et c'est vrai qu'en termes général, en fait, c'est vrai que ce que j'ai du mal à remplacer entièrement par les produits naturels, c'est le maquillage. Parce que je me dis, voilà, ça reste pas très longtemps sur la peau. Si on se démaquille très bien, c'est amplement suffisant. Et c'est vrai que sur certains produits, c'est assez difficile d'avoir justement le même effet qu'avec un produit chimique en fait, malheureusement. Mais bon, je pense que ça va évoluer, ça changera, mais pour le moment, c'est vrai que le mascara de chez Benefit est mon petit chouchou. Voilà pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées, qu'il vous aura amusé peut-être, on ne sait pas. Donc je vous ai présenté mes produits 2015, les produits vraiment que je rachète tout le temps, que j'ai constamment à la maison. Donc n'hésitez pas vous aussi à me mettre en commentaire les produits chouchou que vous avez eu durant cette année 2015. Et pour ce tag, je vais taguer alors toutes mes copines. Donc je vais taguer Justine Porcelaine, Easy Blush, Peau Neuve, Je suis Modeste, Shaker Maker, Les Astuces de Margot, Audrey Redac, Delphine l'Astucieuse, Les Cheveux de Mimi, et pourquoi pas Colline, Parenthèse Tutoriel, Elsie Letty et Oh My Skin. Donc voilà, faites-moi ce tag, amusez-moi, qu'on partage tous nos produits favoris 100% naturels de l'année 2015. Si j'en ai oublié, désolée, mais vous pouvez aussi y participer. Toutes celles qui verront cette vidéo, allez-y, partagez-nous tous vos favoris de l'année 2015 en répondant à ce tag. Pour ma part, j'ai beaucoup pris plaisir à vous faire cette vidéo, à vous présenter les produits de l'année 2015, on va faire les lauréats de l'année 2015 100% naturel et ou bio. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et encore, joyeuses années à tous et profitez de la vie. Des bisous. Oui, parce que toutes les blogueuses boivent du thé. Ton produit favori. Oh. Ton produit favori. Donc le livre vraiment de l'année 2014 qui m'a le plus plu. Oula, pas 2014.